Ultra motivés, 350 courageux se sont jetés à l'eau hier pour le premier bain de l'année au Sable d'Or à Anglette. Bonne résolution, pari entre amis ou défi personnel, chacun avait ses raisons pour plonger dans l'océan. Venez, venez, rapprochez-vous, n'ayez pas peur. Non, c'est nickel. C'était vivifiant. Et ça fait plaisir de commencer l'année comme ça, de se sentir bien vivant, quoi. On y retourne pour vous montrer qu'on peut y aller. Vous voulez ? Allez, on y va. Avec une eau à 13 degrés, il faisait aussi chaud dedans que dehors. Et pour réchauffer ses baigneurs un peu givrés, un grand feu et du champagne les attendaient sur la plage. C'est la première fois qu'on le fait avec les enfants, on s'est dit bon bah allez, pourquoi pas cette année, on a commencé. Bah on a plongé dedans. C'était pas trop froid ? Si. Regardez, c'est extraordinaire, ils se déguisent et tout, chacun amène sa bouteille de champagne, c'est vraiment l'esprit, puis c'est quand même important, le premier bain de l'année. L'ancien pilotari Pampi Laduche et les rugbymen Pascal Ondart et Grégoire Lascouvé ont parrainé cet événement lancé par des commerçants de la Chambre d'Amour et devenu en 4 ans un rendez-vous incontournable du Nouvel An.